Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis en train de voir mes volets avec vous, longtemps, ça fait la lumière d'un coup. On est le vendredi 9 février. Il est actuellement 8h et peut-être 51 minutes depuis 8h50. Là, je suis monté donc ouvrir mes volets. Voilà, donc aujourd'hui pour l'instant, il est MTG. Donc, je vous pose 2 secondes. Alors, je vous reprends aujourd'hui. Donc, plusieurs choses aujourd'hui. Du coup, ce matin, pas grand chose de prévu. Là, je vais aller prendre ma douche. Juste avant, je vais tester mon boucleur que j'avais acheté chez Action. Voilà. Et comme ça, je vais tester, parce que je ne l'ai jamais vraiment testé. Donc, je vais l'essayer, on verra bien. Ensuite, donc, j'irai prendre ma douche, ensuite je m'habille, je me prépare, je me maquille un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, donc, ma mère a une visite à Bart. Donc je ne sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas, tout dépend. En fait, si le prochain bébé à ma fille est à 4h ou à 5h. Si à 4h, je peux pas y aller. Si à 5h, je peux y aller. Voilà. Voilà. Ensuite, moi, le soir, à 18h30 jusqu'à 20h30 à peu près, j'ai une réunion au boulot pour préparer les vacances. Et ensuite, on a rendez-vous à 21h au resto. On va manger au resto ce soir avec mon beau-frère, ma belle-sœur et un collègue à eux. Donc, voilà, pas mal de... deux petites choses de prévues et pas mal de choses que je pourrais peut-être pas vous vloguer, mais voilà. Du coup, on en vient à ce que je vous en ai parlé dans le précédent vlog, que je vous mettrai peut-être un petit i si j'y pense et en description. C'est le fait de que j'étais en train de réfléchir à faire des weekly vlogs. Alors les weekly vlogs, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous connaissez à peu près tous, c'est quoi? C'est en fait, je vous filme toute ma semaine. Voilà, toute ma semaine dans un vlog. C'est-à-dire, par exemple, si le lundi, je vous filme que 5 minutes, et ben le lundi, il n'y a que 5 minutes, c'est pas grave, parce qu'il y aura mardi, mercredi, jeudi, etc., qui complétera. Voilà, c'est vraiment un vlog sur toute la semaine. S'il y a des jours où, dans la semaine, je ne vlog pas, c'est pas grave. Voilà. C'est ça, en gros, le principe des weekly vlogs. Des weekly vlogs, c'est de vlogger toute la semaine. Voilà, mais dans un style de vlog, si je fais ça... Si je fais des weekly vlogs, ce sera potentiellement celui-là, donc le dernier vlog, avant les weekly vlogs. Et donc, du coup, la semaine du... Je prends mon calendrier parce que je vous avoue que j'ai pas tout en tête et j'ai encore changé ma coque. Vous voyez, c'est un petit truc que j'ai avec un enfant du centre et il faut que je la rechange pour mercredi prochain. Donc, voilà. Donc, je vous disais, donc du coup, la semaine du 26, 27, 28, 29. 1er mars, 2 mars, 3 mars, là il n'y aura pas de vlog, enfin il y aura un weekly vlog vu que ça sera la semaine d'avant qui sortira, mais je ne vloguerai pas, donc ça fait qu'il n'y aura pas de weekly vlog le 4, parce que du coup c'est la semaine où je bosse au centre, et vous vloguez ma semaine au centre, c'est pas bien intéressant quoi, donc voilà, après je peux essayer et rien vous garantir, et voilà, donc les weekly vlogs c'est ça, c'est vous vloguez toute la semaine, et vous le sortez du coup le vlog la semaine d'après. Voilà, lundi, mardi, quand vous voulez. Moi je pense que je le sortirai soit le lundi, soit le mardi. Ça dépend. Et voilà, je vais me poser le truc qui vient d'arriver. Donc voilà, à peu près pour ça. Donc je vous reconfirmerai dans ce vlog à un moment. Si je me lance dans les weekly vlogs ou pas. C'est en bonne voie. Surtout quand je vois le vlog d'aujourd'hui. Voilà, qui va être très court, je pense. Mais voilà, bref, je vais aller tester ça, aller prendre ma douche et je vous dis à tout à l'heure. Hey, je vous reprends, il est 10h57, là je monte à la banque parce qu'il faut que je recommande un chéquier. Bref, je vous expliquerai peut-être ça en story time à un moment donné. Et je passe à la boulangerie et voilà. Et je sens qu'il va pleuvoir donc j'ai pris un parapluie. Voilà. Bref, je me dépêche, je re-rentre. Et je vous dirai tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Il est
11h35, là je viens de recevoir une notification comme quoi j'ai reçu mon colis Vinted. Et du coup j'ai demandé à ma mère si elle pouvait aller me le récupérer parce que j'ai pas le goût. Vu que moi je viens de sortir et que si j'aurais su je serais été plus tard, mais bon. Et voilà, si vous entendez gazouiller, c'est ma fille qui est juste en face de moi. Voilà, hein. Un magipinette. Sachant que c'est bientôt l'heure de son bibi, ben. Voilà, tout simplement. Hein? T'es bientôt bibi? Ouais. Et voilà, du coup, je vous montrerai ce que j'ai pris. Je me suis pris deux coques pour mon téléphone. Et deux paires de chaussons pour ma fille. D'ailleurs, je vous montrer les coques que j'avais achetées la dernière fois sur Vinted. Donc, j'avais acheté celle-ci. Et. Vous entendez Mademoiselle ronchiner parce que je suis pas dans dans son visu. J'ai pris aussi, donc, du coup. Celle-ci avec les fleurs. Je vais retourner à la caméra, ce sera plus simple pour vous montrer. Et du coup, je vous montrerai là, du coup, les nouvelles coques et les chaussons et tout. Donc voilà. Je retourne à la caméra et je vous dis à tout à l'heure. Alors, du coup, je me suis mis dehors pour vous les montrer, ça sera mieux. Donc, il y a celle-ci que j'ai actuellement, mais qui va changer parce qu'avec un petit du centre, il m'a dit tu changes encore de coque la semaine prochaine. Voilà. Il veut que je lui montre tout, je crois. J'ai celle-ci que j'ai pris. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a un peu de vent. Celle-ci que j'adore, je pense que je vais mettre elle la prochaine. Et celle que j'ai mis en première, c'était celle-là. Donc voilà, donc quand j'aurai reçu les autres, je vous montrerai tout ça. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Il va être 1h, il est à 12h55. Enfin, 57 sur mon téléphone, 55 à la montre. Du coup, je vais vous montrer 3 produits terminés. Je vous ai dit que je vous les montrerai en vlog. Et ensuite, on ouvrira ensemble mon petit colis Vinted qui est juste là. Voilà. Donc, premier produit terminé, c'est ce gel douche à la clémentine de Corse. Et c'est le gel douche que j'avais à la maternité. Que j'avais à la maternité quand j'ai accouché. Donc, et ils sont juste trop bons. Si vous avez l'occasion d'aller s'en tirer en magasin, foncez, parce que moi je vais le racheter sans souci. J'ai fini mon shampoing de chez Desange Argile Douce, que j'adore et que je rachète à chaque fois. Et j'ai terminé également ce gel douche à la fraise qui venait de chez Action. Donc, il y en a plus et j'ai essayé de le rincer. C'est pour ça que c'est qu'il y a de l'eau. Donc voilà. Lui pareil, s'il le ressort un jour, je pourrais le racheter. Donc voilà pour ça. Hop, je vais juste les remettre dans un petit panier pour qu'on s'en aille jeter. Allez, on va voir ensemble mon petit colis Vinted. Alors, moi je dis que je scotche beaucoup. Et je crois qu'il y en a qui scotchent tout autant que moi. Allez. Hop. Je galère un peu. Hop. Je suis sûre en plus le truc c'est que ça avait une ouverture facile quelque part ou quoi et que je suis en train de déchiqueter le carton. Je vous épargne ça hein, parce que vous voyez juste à ma tête que c'est dur. Ah. À peu près ça doit sortir comme ça, je pense. Ou quoi? Je sais pas. Donc il y a mes deux coques. Ça c'est le petit papier qu'ils mettent dedans, qu'il faut mettre dedans. Et ça c'est pour ma... Ah il paraît plus grand qu'en photo hein. Je vous montrerai ça juste après. Ok. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai pris deux paires de pantoufles à ma fille et deux coques. Juste avant de vous montrer, je vais valider que tout est ok sur l'application, enfin sur Vinted, tout simplement. Tac, hop. Alors je le pose à côté de moi. Je suis prêt. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Donc j'ai pris deux petits paires de pantoufles à ma fille. J'ai des pecs qui me font mal. Je lui ai pris celle-ci.
avec des petits monstres dessus. Là, qui s'ouvre par l'arrière. J'ai du 0,3 mois, la dame m'a dit. Donc, mais elles me paraissent grandes pour du 0,3 mois. Mais on va voir. Comment pire elle les aura. Voilà. Et j'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci, vous voyez, là, c'est dur. Donc, voilà. C'est semelle un peu plus dure. Et là, c'est complètement. Là, c'est vraiment pour elle, mais non. Merci, Stéphane. Et c'est deux petites plantes comme ça. Avec écrit J'aime papa. Voilà, donc je vais les essayer tout à l'heure parce que là elle est en train de dormir, donc je vais pas réveiller. Je suis trop contente, ils sont trop jolis. Et voilà. Et maintenant, mes deux coques. Alors, lesquelles je vous montre en premier? Celle-ci. Donc j'ai pris celle-ci. Et c'est hyper bien protégé, on va dire. Vous avez le petit et derrière, vous avez la petite mousse. Ce que j'avais pas quand j'ai commandé les autres que je vous ai montré juste avant. Il y a celle-ci avec le petit cœur. Hop. Je me souviens très bien. J'en ai déjà une. Bref, donc il y a celle-ci. Elle est trop belle. J'adore. Plein de petits cœurs. Et il y a. Il y a comment avec celle-là? Il y a ça avec. D'accord. Ça, je les garde au cas où si un jour je les revends. Ou quoi, merci le téléphone, je parle. Au cas où si un jour je change de téléphone et que je vais les revendre, ben, au moins j'aurai des petits sachets pour les mettre et tout. Voilà. Donc la deuxième, pareil, elle est avec un petit truc comme ça. Et oh là là, mais j'ai envie de la changer. Mais non, en fait. Je pense que je vais mettre L en fait. Je voulais pas mettre L de base, mais je pense que je vais mettre L. Elle est trop belle et après je mettrai. Bref, donc là voici. Elle ressemble un peu à l'autre que j'ai, mais elle est trop belle. J'adore. J'adore, j'adore. Et vu que je dois la changer pour mercredi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça de côté. Si ça vous arrive, de côté. Et je vais changer de coque tout de suite avec vous. Ouais, elle tient bien hein, mon téléphone. Je mets elle. J'ai envie de mettre elle, elle est trop belle, je l'adore, c'est. J'adore. Oui, j'adore. Je suis sûre qu'elle aussi, ça sera, ça rendra hyper bien. On peut en mettre deux comme ça. Ouais, ça rendra bien aussi, mais. Là je vais mettre celle-ci vu que je dois la changer pour mercredi, ben, je le fais maintenant, comme ça c'est fait. Et il y avait ça avec. Donc ça je pense c'est pour c'est le tenir. Mais pour l'instant j'en ai pas l'utilité. Donc je vais pas le mettre. Donc voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Elle est trop belle. Bref, j'arrête de vous montrer ma coque, on sait qu'elle est belle, machin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tourner un petit get ready with me. Spécial pour aller au resto ce soir et à ma réunion. Donc je vais me boucler les cheveux. On va voir ce que ça donne quand je me boucle toute la laine. Comme ça, si ça me plaît pas, j'ai le temps de les repasser à l'eau vite fait. Et voilà, donc je vais vous tourner ça en vidéo YouTube. Je pense pas que je vais vous mettre toute la séquence où je me boucle les cheveux parce que j'ai pas de prise à portée de marque, où j'ai plus de là-bas. Mais voilà. Bref, je vais aller mettre mes coques avec les autres coques et je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous reprends, il est 14h, je viens de vous tourner le petit Get Ready With Me. Qui sortira très bientôt sur ma chaîne principale. Et voilà, donc je pense vous faire un. Je pense vous faire maintenant des weekly vlogs. Donc vous verrez ça très bientôt. Et voilà. Bref, en tout cas, là je vais redescendre en bas, je vais avancer mes articles de blog, je vais monter le Get Ready que je viens de tourner. Et voilà. Et sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous reprends, on est le lendemain du vlog que vous venez de voir juste avant. J'ai carrément oublié de vous le conclure, en plus on est rentré tard, donc... Bref, donc voilà, tout le monde, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu.
Je pense tester les weekly vlogs sur la semaine qui va arriver. Donc la semaine, on est combien? La semaine du 12. Et voir ce que ça donne. Mais comme je vous l'ai dit, je crois dans le précédent vlog, si je fais ça, il y a une semaine où je suis au boulot toute la semaine parce que je bosse au centre. Et du coup, il n'y aura pas de. Je vloggerai pas. Et il n'y aura pas du coup de weekly vlog la semaine d'après. Donc bref, et encore une fois, le principe des wiki vlogs, je vlog tous les jours, mais si un jour je vlog pas, ben, c'est pas grave. S'il y a un jour dans la semaine, enfin le jour par exemple le mardi, il y a que 5 minutes et que le mercredi il y en a 10, ben, c'est le principe du wiki vlog. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à très vite, à lundi, enfin à très vite.